are here to support 12 nation partners that are working with Cutlass Express. We're interested in working this exercise to really develop interoperability between our partner nations. C'est un honneur pour moi de me joindre à vous en ce jour à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de Cutlass Express 2019. Cutlass Express est une opportunité pour les pays partenaires de travailler côte à côte en vue de mieux synchroniser et s'exercer pour des éventuels scénarios réels en haut mer. Je déclare ouvert l'exercice Cutlass 2019 et je vous remercie tous, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. Aujourd'hui, IORIS est utilisé pour l'exercice américain Cutlass Express, qui est un exercice de sécurité maritime qui propose aux pays de la région, de l'océan Indien, tout un panel d'exercices et de scénarios durant lesquels de l'information doit être échangée vite et de manière sécurisée. Donc si on reprend la genèse de IORIS, on peut remonter aux années 2010, si je puis dire. Donc l'idée a vraiment germé au début du projet CRIMARIO. Et là, on a confronté nos premières estimations aux souhaits des utilisateurs qui nous ont dit « oui, c'est une bonne idée ». Aujourd'hui, en 2019, c'est un produit mature. La phase 2 est arrivée. Donc cette phase 2 sera validée à la fin en fait, de l'exercice américain Cutlass Express, puisque pendant cet exercice, IORIS est utilisé comme plateforme principale de partage de l'information et de gestion de crise. Et les 7 pays qui participent à cet exercice sont Madagascar, les Seychelles, Maurice, les Comores, la France, le Kenya, le Mozambique, Djibouti et bien sûr les États-Unis. Just an update of the situation. The fishing vessel Cooper, Copper Mountain, which was in illegal fishing at this point in Mozambique. The last known position was international waters, south of Madagascar. The last position identified by fishermen in the vicinity. The vessel is in the, not territorial, but the EEZ of Mauritius. The same has been information already been conveyed to RCOC and even to MRCC Mauritius for them to take action. We just have to wait and watch there and we keep monitoring. IORIS est aussi une interface avec C-Vision, le système américain. C-Vision est un outil de surveillance de la navigation maritime. Tandis que IORIS se situe en aval et est un outil de partage de l'information et de gestion de crise. Donc les deux systèmes sont totalement complémentaires et Cutlass Express 19.2 vient à nouveau de démontrer cette parfaite adéquation. Since last week, we've been introduced to two platforms, the C-Vision and the IORIS version 2, where we were able to share information on both platforms successfully. We were also able to communicate very effectively with other national centers, including Mozambique, identify the vessel, analyze the information, and share again with our sister centers. C'est à juste titre que le Centre régional de coordination des opérations, le CERCEO, l'a utilisé dans le cadre de l'exercice Cutlass 2019, mis en œuvre par AFRICOM, pour coordonner les opérations en mer avec les centres régionaux, notamment CERFIM et les centres nationaux. Ces fonctionnalités qui intègrent des messageries instantanées, des tâches sécurisées, le partage de documents, la création de plusieurs espaces collaborateurs, une cartographie avancée avec une option d'importation, d'exportation des cartes, des marqueurs marines depuis d'autres plateformes telles que C-Vision, font de IORIS un outil particulièrement adapté aux besoins de la région. So as you can see even at my back, it is a very important tool, very reliable. We can convey all the messages required to all the centers at the same time. All the national centers are receiving it and responding to it. And we can even plot all the current positions directly on the left part, on the chart provided by IORIS, so that the other involved parties, they come to know exactly where the event is happening and what actions are to be taken. Donc IORIS aujourd'hui, c'est aussi des entraîneurs formés dans la plupart des pays de l'océan Indien, utilisateurs du système. Ce sont 128 utilisateurs sur la plateforme opérationnelle et 370 utilisateurs sur la plateforme d'entraînement. We at the European Union are working with our regional partner, state partners and international organizations to ensure maritime security.
We've also launched several initiatives, with MAZE being one of them, and the Regional Maritime Information Fusion Center here in Madagascar, and the Regional Maritime Operations Coordination Center in Seychelles being at the forefront. Since 2008, we've also launched Operation Atalanta off the Horn of Africa and the Western Indian Ocean, and of course, Crimario, which has developed the situational awareness platform, IORIS. Our commitment to the region is demonstrated by the aforementioned initiatives, and of course, our decision to continue supporting Crimario and IORIS.